Peux-tu me donner un point positif, un point négatif sur Liège? Salut les gens, c'est Chevelle, on se retrouve pour un nouvel épisode de Chef t'en parle. Donc aujourd'hui, on a été dans les rues poser une question par rapport à Liège. Donc cite-moi un point positif et un point négatif de la ville et parler en soi de Liège. Ben moi je trouve que c'est plutôt tranquille et puis c'est petit sans être grand. C'est-à-dire on peut aller d'un point à un autre sans forcément se prendre la tête quoi. Mm-hmm. Tout est plus ou moins accessible et puis on est frontalier de plein de choses, Maastricht, Bruxelles, Paris. Donc voilà, c'est sympa Liège. Liège centre, c'est beau. Mais Liège autour, c'est vraiment pas joli. Ouais. Vraiment pas joli à voir. Ouais, ça c'est dommage par contre. Un peu comme Paris quoi. En fait. Ouais, ouais, comme ça, ouais, c'est la même chose. La même chose. En moins pire, j'ai envie de dire. En moins pire. Un point positif, la diversité. Donc maintenant, en positif, je dirais que comme c'est une ville étudiante, c'est bien de rencontrer beaucoup de personnes, tout ça. Un point négatif, moi je trouve qu'il y a beaucoup trop de SDF et c'est vraiment malheureux. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de maisons à Liège qui sont inhabitées, que l'État peut arranger pour que les SDF puissent vivre à l'intérieur. Et le fait de les voir dans la rue comme ça, ça me touche beaucoup parce que la Belgique c'est quand même un pays qui est développé et voir qu'il y a beaucoup de sans-abri, ça me touche beaucoup. Allez, comparé à d'autres villes, c'est quand même assez propre. Et ça va, c'est comme joli. Négatif, c'est sale, c'est triste, c'est gris. C'est une ville beaucoup trop petite. Elle est beaucoup trop petite, ça veut dire tout le monde se connaît. Même si je te connais pas, tu me connais. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop petit. J'aime pas. T'aimes pas? Il y a trop de baraquis. Ouais. Comment ça, dis-moi? Bah déjà la salle Lambert, trop de clochards et tout, ouais. C'est cet endroit en fait, ici. Là, il y a trop de gens. Il y a des gens qui traînent pour rien. En fait, j'aime pas ça, tu vois, genre, tu viens, il y a des gens qui restent ici, mais ils font rien, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu stagnes, mais tu fais rien. C'est juste ça que j'aime pas en vérité. Voilà. Par rapport à ça, c'est très vivant, la journée et tout ça. Mais la nuit, par contre, faut toujours faire attention, parce qu'il n'y a pas toujours des gens... je trouve sympa, qu'on va dire. Au niveau des études, c'est super bien parce qu'ils ont une bonne réputation dans l'école où moi je suis. Point négatif, je pense que ce serait la délinquance. Ah, dis-moi. Ouais, parce qu'il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup d'histoires à Liège, il y a beaucoup de délits commis, donc voilà, ce serait ça un peu le point négatif. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire, genre pour les touristes, je trouve. Ouais. Genre, il n'y a rien à faire à Liège. Franchement, moi, je trouve qu'il n'y a rien à faire à Liège. Ouais. C'est pas un endroit où visiter. Triste, comment ça? Dis-moi un peu. Je veux dire, les gens sont pas joyeux. Ils ont tous un visage fermé. Et puis même les couleurs. Je trouve que le gris domine beaucoup dans la ville de Liège. Et que, c'est... Quand tu sors directement de chez toi, en fait, t'es triste, en fait. C'est juste l'ambiance, en fait, qui fait que pour moi, c'est triste. Les gens sont quand même gentils ici. Les gens sont gentils, je disais. Qu'est-ce que tu aimes dans Liège? Dis-moi. Je sais pas. J'avais dit côté festif, le carré, etc. Je pense que ça attire énormément de monde et même des gens d'autres pays. Donc, c'est notre petit côté festif, voilà. Le carré, des fois, les étudiants peuvent être chiants, on va dire. Et après, je comprends, c'est des années d'études et tout, mais... Des fois, c'est lourd. En ce moment, c'est tout ce qui est travaux, etc. Parce que la circulation, c'était déjà pas top. Et là, avec les travaux, c'est un peu l'horreur, quoi. C'est difficile de circuler. Vaut mieux être à vélo, en fait, en ce moment. Parce que même en transport en commun, ça met beaucoup de temps d'aller à un point A, à un point B. C'est horrible. Franchement, moi, je comprends pas les travaux pour le tram parce que c'est pas comme si c'était une ville comme Bruxelles ou Anvers. Ici, Liège, c'est tout petit. Si on veut aller quelque part, le bus, ça suffit amplement, ou même rien que marcher. Et le tram, ça va plus prendre de la place, du temps et coûter beaucoup plus cher à l'État qu'autre chose, en fait. Mais pourquoi un tram, déjà? Alors qu'on a déjà les bus. C'est la vraie question qu'on devrait se poser, quoi. Vous avez vu tous les bus qui viennent même pas à Saint-Lambert? Ouais, voilà, c'est horrible. C'est horrible, franchement.
vous aimez cette ville? Moi, j'aime pas trop Liège. Je sais pas. Non, non, pas non plus. Je trouve qu'il y a rien à faire en fait. Si, si, en fait. Et pas positif, dites-moi, ce que vous aimez ici, c'est quoi? J'aime tout sur Liège. T'aimes tout? Il y a du mauvais, il y a du bon, donc j'aime tout. Le carré, j'aime pas. Pourquoi? Oh putain, c'est rare. Vas-y, dis-moi un peu pourquoi t'aimes pas. Je sais pas, il y a trop de tox. Je sais pas, c'est un endroit malsain, je trouve. Ok. Ben, t'as pas de point positif sur Liège que tu veux. Il y a beaucoup de gaufres, on peut manger des gaufres. Même chose, la même chose. Les gaufres de Liège, ouais. Je sais pas comment je peux dire. Je trouve que ça vit pas assez, je sais pas, il y a comme, pas. Je sais pas si t'as déjà été à Paris, moi j'étais choquée de voir comme ça vit Paris. Ouais, ça vit. Même là, ici, vrai. La nuit, qu'est-ce qu'on va faire la nuit ici? Il y a rien à faire. Ouais. On a les bus jusqu'à quelle heure? Jusqu'à quoi? 23h, puis c'est fini, tu rentres chez toi. Voilà, et quoi, les magasins, ils sont quoi? Ils sont tous fermés, alors que des fois, enfin, je sais pas, dans d'autres villes, t'as des galeries qui sont toujours là ouvertes. T'as plein d'activités, t'as les gens, ils font des trucs à l'extérieur, genre sur BX même, il y a encore des gens. Ils sont là en train de faire des trucs, de la musique, des conneries. Et puis... La musique à Paris, c'est ça qui m'a marqué, breakdance, skaters et tout ça. Ouais. Ici. Et les points positifs, il y a KFC maintenant. Et voilà, c'est le seul truc. Bah, les trucs de maquillage, c'est en ville. Et c'est près de chez moi, c'est tout. Genre, sinon, le reste. C'est tellement que c'est petit que j'ai l'impression que je connais tout le monde. Donc. Les mêmes têtes tout le temps, voilà. Ouais. J'arrive pas à m'aérer. Moi je trouve que c'est trop petit par rapport à d'autres villes, il n'y a pas assez de choses à faire. Comme quelle autre ville? Par exemple les magasins, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Ouais. Mais vous trouvez pas qu'il y a trop de fast-food? Bah moi si, justement, il y a un Burger King là, on a un KFC là, ils viennent de remettre un Burger King à la gare des Guillemins. Moi je trouve que ça fait beaucoup, surtout que... En ce moment, on est un peu en mode sauver la planète, faites attention. Et quand on sait que les multinationales, les fast-food et tout ça détruisent beaucoup de pays, tu vois, pour pouvoir s'installer, voilà, c'est dommage. Après, je vais pas faire la meuf, hein, je suis une consommatrice aussi, mais voilà, si on pouvait essayer de changer les choses. Ouais, les gens sont pas accueillants, quoi. C'est dommage, parce que c'est une riche ville en soi. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Un grand merci à toutes les personnes qui ont accepté de répondre. Vraiment, un grand merci à vous. Un grand merci à Asma qui était juste derrière la caméra. Un grand merci à toi. Donc, si tu as aimé, n'hésite pas. Aime, partage, abonne-toi. Allez, ciao, ciao.